Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la troisième édition de la journée Trouve ta place. Mon nom c'est Charles et je vous présente la belle Rosemée. Bonjour Rosemée, ça va bien? Oui, ça va bien toi Charles? Ça va super bien. Nous sommes du département placé et notre commission à l'église MCI c'est équiper ceux qui cherchent à servir. Le t-shirt le dit. On aime bien notre beau t-shirt. Équipez ceux qui cherchent à servir. Si vous voudriez servir à l'église, on est là, on peut vous aider à vous impliquer. Et parlant d'implication, aujourd'hui, on va présenter des départements où plusieurs leaders vont présenter leur département, qui vont expliquer qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils attendent des volontaires. Mais à la base, c'est quoi s'impliquer? C'est une bonne question, Charles. En fait, s'impliquer, c'est une expression d'amour envers Dieu, mais aussi envers les autres. Puis justement, avec le contexte actuel, c'est une bonne opportunité pour nous de servir et de justement aller rejoindre les autres et répandre cet amour. Donc, répandre cet amour, aller toucher les gens. Et parlant d'aller toucher les gens, est-ce que tu sais que cette troisième édition... On en avait fait une en 2018, une édition en 2019, et cette année, on va dans les salons, dans les salons des gens, on rentre chez les gens pour aller leur amener les possibilités de pouvoir s'impliquer à l'église. Alors, qui s'implique dans ce temps-là à l'église? Charles, savais-tu qu'à chaque semaine, il y a 120 personnes, 120 volontaires qui sont en service en ce moment? 120 volontaires, les amis, qui sont là en service avec nous depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Ils sont là fidèles. Et aujourd'hui, on organise cette journée Trouve ta place là. On veut encore donner de l'excellence parce que vous l'avez vu, toutes les projections, tout ce qu'on donne à l'église, waouh, ce sont des équipes d'excellence qui donnent de leur meilleur. Donc, on veut aller présenter ces départements-là aujourd'hui. Quels sont les départements qu'on va présenter et pourquoi? En fait, on va présenter le département de la banque alimentaire. Banque alimentaire, oui. Décoration. Décoration, wow. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Production TV, production en fait. Ça, c'est tous des départements qui sont actifs, mais aussi des départements qui ont un grand besoin en ce moment. Donc, c'est plus ceux-là qu'on a mis de l'avant. Mais si vous allez sur le site de mcigc.ca, vous allez voir qu'il y a d'autres départements aussi qui sont énumérés là. Et puis, ça va vous donner l'opportunité de justement aller joindre ces équipes de rêve-là et de pouvoir vous aussi mettre la main à la pâte pour pouvoir répondre à la mission qui est encore plus grande que nous, en fait, qui est de rejoindre le monde avec un message d'espoir. Rejoindre le monde avec le message d'espoir. Oui. Quel message qu'on pourrait amener dans un temps si bien appointé où on se ramasse tous à être confinés chez nous, où on se ramasse tous à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, ces départements-là, comme tu le dis, vont présenter leurs critères. Mais aussi, sur le site de MCI, on peut aussi trouver d'autres départements selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Parce qu'on croit au département placé que Dieu a mis en chacun de nous des rêves, des dons, talents, passions pour l'avancement de son évangile que Christ s'est sacrifié lui-même pour nous. Et maintenant, sans plus tarder, on va demander à chacun d'entre nous qui nous suit présentement de partager le lien sur tous les réseaux sociaux, inviter quelqu'un à suivre, à s'impliquer et faire une différence dans le corps de Christ. Et aussi, il y a une chose qu'on n'a pas dit. Oui, c'est vrai. Il va y avoir un tirage. Prenez note! Tout ce qui est dit ici est important. Donc, on prend note parce qu'à la fin de l'émission, on va avoir un tirage qui va être organisé. Donc, c'est peut-être toi qui vas gagner. Fait que, je pense que sans plus tarder, on peut le dire maintenant, right? Oui. J'ai rien oublié? T'as rien oublié. J'ai rien oublié? Good. On va aller à Nancy. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir notre belle... Nancy! Yay! Et merci Charles pour cette belle présentation. Donc bonjour Suzanne, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Excellent, donc comment a été ta semaine?
Super. Et puis, en passant hier, c'était la Banque alimentaire. Oh, wow, excellent. Donc, aujourd'hui, Suzanne, on est ensemble pour qu'on puisse apprendre à te connaître et apprendre à connaître le département pour lequel tu es leader. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument. Excellent, super. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui est Suzanne? Oui, je m'appelle Suzanne Simard. Moi, je suis avec l'Église MC depuis 1985. Et puis, ce qui m'a gardée, c'est de servir dans le Seigneur. Oh, wow, excellent. Donc, Suzanne, est-ce que maintenant tu peux nous dire exactement qu'est-ce que le département Banque alimentaire, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, la Banque alimentaire, nous nourrissons les familles qui sont dans le besoin. Dans le fond, on fait un apport dans leur vie quotidienne avec des bons légumes, des bons fruits. On essaie de donner le plus possible des bonnes choses pour la santé. Excellent. Donc, si je comprends bien, c'est un département qui est présentement actif. Vous êtes là toutes les semaines. Comment ça fonctionne exactement? Non, c'est pour le moment, c'est aux 2 semaines, donc un vendredi sur 2. OK. Donc, aux 2 semaines, un vendredi sur 2. Alors, dites-nous, Suzanne, présentement, c'est quoi l'importance de servir, surtout dans la période dans laquelle nous sommes? Oui, nous, à la Banque alimentaire, Dieu m'a donné un acronyme qui s'appelle AGIR. Donc, aimer, pour grandir, parce qu'on veut grandir dans le Seigneur. L'important, c'est très important de servir, et puis pour rejoindre les gens dans le besoin. Oh wow, quel bel acronyme! Excellent! Donc ça va nous permettre de garder justement le focus pour lequel vous travaillez au sein du département Banque alimentaire. Écoutez, qu'est-ce que ça prend pour servir à la Banque alimentaire? Ah mon Dieu, ça prend un beau cœur, c'est tout. Un beau cœur, pas de diplôme, et puis d'être frais, d'être fidèle, parce que si tu n'es pas là, on ne peut pas faire la banque alimentaire, parce que c'est une équipe. J'ai une équipe formidable. Et puis d'être responsable. Si on te donne quelque chose à faire, c'est toi qui le fais, tu es responsable. Enseignable, parce que oui, je dois donner des directives afin que ça fonctionne bien. Et puis d'être disponible, parce que si tu dis oui, je vais être là, puis tu n'es pas là, on ne peut pas faire la banque alimentaire. Ah, effectivement, il faut être un Fred et avoir un bon cœur. Donc, présentement, c'est quoi tes besoins en termes de volontaires? Quels sont les besoins que la banque alimentaire a en termes de volontaires? On a plusieurs besoins, donc trier les légumes, préparer des paniers, on fait toutes des portions égales pour les familles. On a besoin aussi des hommes, des muscles pour aider mon mari, puis les hommes dans le garage. Il y a des petites choses, des petites boîtes à lever plus lourdes que d'autres. Et puis, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui aime faire des fichiers, un petit peu Internet, d'être capable de m'aider là-dedans, faire des fichiers. J'en fais, mais j'en fais trop. Donc, je veux déléguer. Je veux que les gens grandissent dans le Seigneur. Alors, je cherche une autre élite, parce qu'on est une équipe d'élite dans la Banque alimentaire. Oh, wow, excellent. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce moment qu'on vient d'avoir d'échange? Si tu cherches une équipe formidable, remplie d'amour, qui va t'aider à grandir dans le Seigneur, et si tu veux faire un apport à ta communauté, c'est la Banque alimentaire. Excellent, mais merci beaucoup Suzanne pour toutes ces informations-là que tu viens de partager avec nous. C'est vraiment important, comme vous avez vu, de pouvoir servir de ce qu'elle nous dit. Et donc, impliquez-vous, contactez-nous pour pouvoir vous impliquer au sein du département Banque alimentaire. Merci. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, comme promis, je suis de retour, mais cette fois-ci accompagnée d'une autre personne. Tout le monde, roulement de tambour avec moi. Karine Ndoti du département décoration. Elle est avec nous aujourd'hui, elle va nous parler de département, elle va nous donner quelques petites informations sur son département et je suis sûre on va en tirer beaucoup de bonnes choses. Bonjour Karine. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Je suis très très contente de te voir en tout cas. Écoute, mais présente-nous, qui es-tu? Qui est Karine? Qu'est-ce qu'elle fait? Parle-nous un peu de toi. Ben moi, c'est Karine Ndoti. Ça fait 3 ans que je suis à l'église. Je suis passionnée de décoration et je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui a rapport avec la créativité. OK, wow, excellent. Donc, passionnée de la créativité, Karine. Et qu'est-ce que le département décoration? Concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de l'église? Mais en fait, le département de décoration, notre mission est vraiment d'imaginer,
de créer et d'installer des décors innovants qui permettent de favoriser l'établissement de la présence de Dieu au cours de, ça peut être des assemblées ou ça peut être au niveau des événements spéciaux de l'Église. Donc, ça voudrait dire qu'on vous doit toutes les belles décorations qu'on a durant nos assemblées, toutes les belles décorations qu'on a durant les transmissions live les dimanches, c'est bien ça? Mais en ce moment, pour les transmissions live, on est comme un peu off, mais c'est vraiment plus au niveau de tout ce qui est des événements spéciaux, donc Noël, Nouvel An, Pâques, c'est vraiment au niveau des événements spéciaux, des conventions, qu'on va mettre en place des décors, puis on va vraiment aider à mettre en place une atmosphère qui favorise la présence de Dieu pour vraiment faire passer la gloire de Dieu au travers du décor. Donc, c'est vraiment ça que... Waouh! Ça a vraiment l'air d'être très passionnant. Écoute, est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que ça prend pour s'impliquer dans le département décoration? Est-ce qu'il faut avoir fait des études de décoration? Est-ce qu'il faut être... Ça prend quoi? Si demain, quelqu'un veut s'impliquer, ça lui prend quoi pour s'impliquer? Bien, premièrement, ça prend de la créativité. Donc, si on est quelqu'un d'imaginatif, on aime le dessin, le bricolage, le travail manuel, ça prend d'être quelqu'un d'organisé aussi. Ça prend quelqu'un qui a pas peur des hauteurs, parce que ça peut arriver qu'il faille installer des décors en hauteur. Donc, c'est vraiment ça. Mais essentiellement, c'est vraiment au niveau de la créativité, de ne pas avoir peur de laisser aller son imagination et de créer des choses qui soient innovante pour permettre de faire passer la gloire de Dieu. Donc, le mot d'ordre, c'est créativité. C'est excellent vraiment que tu puisses nous partager ça. Et pour la journée, disons aujourd'hui, durant notre journée, trouve ta place. Si quelqu'un, tu devais le convaincre d'intégrer la belle équipe dont tu es le leader, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais, si tu es quelqu'un de créatif, d'engager, que tu cherches une place où tu veux te développer, grandir et apprendre vraiment à travailler ensemble en équipe pour faire passer justement cette créativité, parce que moi je crois vraiment que notre Dieu est créatif et c'est de là que vient notre capacité de créativité qu'on a à travers des êtres humains, dépendamment des niveaux pour chaque personne. Mais si vraiment tu as ce don en toi, tu as cette créativité en toi, ben vraiment je t'invite à venir prendre ta place. Nous sommes une belle équipe. On travaille fort, on travaille beaucoup. Mais quand on voit les résultats et qu'on voit l'impact que ça a sur les personnes, vraiment, on est content que vraiment le Seigneur puisse s'exprimer au travers de nous. Donc vraiment, si tu es quelqu'un de créatif, tu aimes le bricolage, tu aimes le travail manuel, tu es quelqu'un qui a le sens du détail, ben tu as ta place qui t'attend au département de décoration. Nous t'attendons. Oh, super, et c'est bien résumé et c'est bien dit. Donc, si tu es passionné de créativité, si tu as envie de faire un impact, si tu as envie de faire partie de cette belle équipe dont Karine nous parle, n'hésite pas, viens nous voir à partir du site mcigc.ca et intègre-toi, implique-toi, parce que j'imagine vous avez des besoins de volontaires en ce moment. Oui, oui. Et c'est quoi vos besoins présentement? Ben, présentement, nous sommes dans la préparation de Noël, donc du spécial de Noël. Mm-hmm. Donc, on a vraiment besoin au niveau des personnes qui ont des dons manuels, menuiserie, couture, c'est vraiment des personnes qui vont nous aider à mettre en place des décors pour les scènes de théâtre. Donc vraiment, nous t'attendons au sein du département de décoration. Excellent. Et le mot de la fin, Karine, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de tout ça? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de tout ça? Ben, que nous sommes une belle église qui travaille ensemble pour rejoindre le monde et vraiment au travers de toutes les places que nous prenons dans les différents départements, nous nous impliquons pour pouvoir justement rejoindre le monde. Puis j'invite vraiment les personnes à s'impliquer beaucoup, 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 parce que nous vivons une période très difficile. Mais le fait que nous, les enfants de Dieu, nous nous levons et que nous disons oui, ben, ça permet justement que la saison que nous vivons puisse être différente et puisse être vraiment influencée par le Seigneur. Mais merci beaucoup, Karine. L'appel est lancé. Tous les créatifs de l'Église, venez, impliquez-vous, venez nous rejoindre, inscrivez-vous en grand nombre. Karine et son équipe, le département décoration, ont besoin de vous. On vous attend. Merci. Si vous désirez vous impliquer dans un service de l'Église, allez sur l'onglet « Notre Église » du menu principal, puis cliquez sur l'onglet « Trouvez votre place ». Thank you.
rendu sur la page, défilez vers le bas et cliquez sur le bouton « S'inscrire dans un service ». Vous tomberez alors sur le formulaire d'implication et vous n'aurez qu'à le remplir avec les informations demandées, puis le soumettre. Un membre de l'équipe vous contactera afin de compléter le processus d'implication. Wow, Charles, comment t'as trouvé? Wow, j'ai vraiment aimé. C'est juste simple. Pour servir, t'as besoin d'être fidèle, enseignable et disponible. Alors, toi qui es à la maison, qu'est-ce que t'attends pour rejoindre leur équipe? Les deux ont présenté leur équipe de façon dynamique. Ils sont là pour vous écouter, pour vous aider à mettre en œuvre tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alors, n'hésite pas d'aller sur le site mcigc.ca, remplir le formulaire et ces départements-là vont vous contacter. Et en plus, on n'a pas juste ça. On a des gens qui sont actuellement en service, qui sont là pour vous témoigner de qu'est-ce que le service a amené dans leur vie. On écoute. Et surtout, restez branchés. N'oublie pas, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Un tirage. À la fin, on va avoir un tirage. Merci de rester connectés. Partagez le lien. On continue. Prenez note parce que tout ce qu'on dit ici est important. Good. On va aller au témoignage. On revient tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Carole. Je suis sauvée depuis 41 ans maintenant. Pourquoi je me suis impliquée à MCI depuis le début? C'est surtout par amour pour mon Église, surtout par amour de servir, parce que je pense que Dieu m'avait donné un don d'aider les gens et de répondre à l'appel. C'était quelque chose de profond dans mon cœur. C'était d'aider et d'aller de faire ce que l'Église avait comme besoin. Je voyais les besoins, j'aurais voulu peut-être faire tout ce qu'ils demandaient, mais je ne pouvais pas tout faire parce que je travaillais, j'avais un enfant. Mais je répondais au moins aux besoins que Dieu avait mis dans mon cœur et c'est ce qui a fait que j'ai pu aller à l'Église et m'impliquer. À travers tous les services que j'ai faits, j'ai commencé, si on veut, à la garderie, j'ai fait la librairie. À ce moment-là, il y avait beaucoup moins de personnes à l'église, mais je répondais à l'appel, puis c'était toujours un bénéfice parce que je savais que les gens étaient rencontrés. Puis mon grand désir, c'était justement que les gens soient rencontrés. Quand j'étais dans un groupe Connect, j'étais leader à ce moment-là, j'ai participé à ces réunions-là, puis j'ai vu des gens grandir, j'ai vu des gens rencontrer, guérir. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire, de voir les gens guérir et rencontrer. Quand je faisais des appels parce que les gens avaient des besoins, m'impliquer pour moi, c'était extraordinaire parce que quand je fermais le téléphone, je savais que la personne était pour demeurer, était pour continuer dans l'Église. C'était un grand avantage pour moi, puis bénéfique. Parce que même si on fait partie de l'Église, je pense que Dieu veut qu'on donne ce qu'on a, ce qu'il a mis dans notre cœur. Puis en tant que leader, mais aussi en tant que dans le service que je faisais, je voulais que les gens soient rencontrés. Je voulais que l'Église grandisse surtout. Mais c'était l'amour que Dieu avait mis dans mon cœur. Je n'avais pas de mérite comme tel parce que Dieu avait mis un grand amour dans mon cœur pour mon Église. C'est devenu ma famille. C'est devenu, même si j'ai des frères et sœurs de ma famille qui sont ici à l'Église, ma famille pour moi, c'est MCI. C'est toute ma vie. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, mais c'est quelque chose que moi, j'enlèverai jamais. Je voudrais jamais empêcher. J'ai aucun regret d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, mon bénéfice est là, ma joie est là. Et j'encourage tout le monde à s'impliquer parce que c'est comme ça qu'on grandit. À travers des services que j'ai faits, j'ai augmenté mes connaissances, j'ai pu participer à des choses que j'aurais jamais participé si j'avais pas été ici à MCI. C'était une grande chose pour moi d'avoir un privilège de faire ces choses-là pour Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a choisi. Il m'a choisi pas juste moi, mais il m'a choisi moi pour faire certaines choses, puis aider certaines personnes que peut-être que d'autres personnes n'auraient pas pu aider parce que j'étais là.
Mais c'est ça l'implication, c'est ça de servir. C'est de mettre au service des autres les dons que Dieu nous a donnés. Puis moi, je l'ai fait vraiment par amour pour mon Église. C'était ça, puis je remercie le Seigneur pour ça. J'invite les gens, même s'ils commencent, s'ils sont jeunes dans le Seigneur, je vous invite d'y aller et de ne pas attendre d'avoir toutes les connaissances, d'avoir tous les talents, mais juste de répondre à l'appel que Dieu met dans votre cœur, selon la passion que Dieu a mis aussi dans votre cœur. Puis vous avez des passions, il faut les trouver, il y en a toujours. Et vous allez voir que vous allez grandir, mais aussi l'Église va grandir. Vous allez apporter votre contribution, puis ça va devenir une grande famille pour vous. Moi, en tout cas, c'est ce que ça fait. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté en cette journée de Trouve ta place, mais je pense que ça va vous aider dans votre vie. Merci. Bonjour, je m'appelle Darina, je fais partie du département de Café Symposium. Ça va faire un peu plus que 4 ans que je suis impliquée dans ce service et j'y sers avec grande joie et un grand dévouement. Comment c'est arrivé pour moi? C'était très facile. Simplement, la seconde où est-ce que j'ai décidé que je veux servir le Seigneur, j'ai fait une prière et par la suite, dans une assemblée, le Seigneur m'a parlé. Il y avait une annonce. En avant que le Café Symposium cherchait des superviseurs. Moi, tout de suite, ça m'a parlé, ça m'a touché, ça m'a rejoint, cette idée, car j'aime beaucoup le service à la clientèle, j'ai beaucoup d'expérience dans la restauration. Et pour moi, c'était une très belle façon de m'en sortir de la restauration et de donner le temps au Seigneur. Alors, tout de suite après l'assemblée, j'ai couru en avant pour donner mon nom de volontaire dans le café, car je pensais que toute l'assemblée allait donner son nom pour ce poste. Ça m'a tellement rejoint. Alors, quand nous servons le Seigneur, c'est dans ce temps-ci que nous apprenons sur nous-mêmes, c'est dans ce temps-ci que nous apprenons sur lui. Nous apprenons comment nous comporter, comment prier, comment lui faire confiance. Car dans ce moment-ci, j'ai demandé, Seigneur, trouve-moi la place que tu m'as réservée dans le service que tu désires pour moi. Quand j'ai décidé de donner mon service au Seigneur, je n'avais aucune contrainte, je n'avais aucune condition, je ne savais même pas quel département allait impliquer. Alors simplement, je lui ai fait confiance, je lui ai dit « oui, je suis disponible ». Alors, quand il m'a parlé avec ce poste, j'ai tout de suite pris le poste. Quelques temps plus tard, je suis devenue co-leader du département Café Symposium avec Jacques aujourd'hui. Et j'ai eu vraiment un tel plaisir dans ce service. Qu'est-ce que je peux vous conseiller aujourd'hui? Simplement de prendre la décision d'aller rejoindre l'équipe de placer, de faire confiance, car une deuxième fois, j'ai fait confiance au Seigneur. Cet été, mon entreprise a fait une mise à pied des employés. J'en ai fait partie. Alors à ce moment-là, le Café Symposium était en pause, mon emploi, je ne l'avais plus. Alors j'ai dit, je peux encore donner de mon temps dans le service de placé. Je ne savais même pas qu'est-ce qui s'en venait, je ne savais pas quelle sorte de mission ils avaient ou quelle tâche. Alors à ma plus grande surprise, j'étais vraiment bénie car les tâches et les missions que j'avais à accomplir, ça me rejoignait tellement, ça faisait partie de moi. C'était une autre de mes forces que je pouvais aussi exercer et donner pour le Seigneur. Aujourd'hui, je t'invite dans cette journée de placer, de trouver ta place, de prendre la décision de donner de ton temps au Seigneur et tu vas voir comment le Seigneur va te récompenser. Merci, que Dieu te bénisse. Si vous désirez vous impliquer dans un service de l'Église, allez sur l'onglet « Notre Église » du menu principal, puis cliquez sur l'onglet « Trouver votre place ». Rendu sur la page, défilez vers le bas et cliquez sur le bouton « S'inscrire dans un service ». Vous tomberez alors sur le formulaire d'implication et vous n'aurez qu'à le remplir avec les informations demandées, puis le soumettre. Un membre de l'équipe vous contactera afin de compléter le processus d'implication. Waouh, quel beau témoignage! Ce que je comprends, c'est que peu importe ton âge, tu peux faire une différence en t'impliquant dans un service à l'Église. Et toi, Rosemée, qu'est-ce que tu as compris? Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est comment, à travers le service, leur vie a été transformée. Leur vie a été transformée par le service. Qu'est-ce que ça t'amène surtout à servir? C'est que
ça t'amène à travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Donc, sans plus tarder, on va aller voir qui? Nancy! On va aller voir Nancy qui va continuer avec deux autres entrevues. Restez là, on a des questions pour vous à la fin pour un tirage. Donc, ne bougez pas. Nancy, à toi! Rebonjour mesdames et messieurs. En cette journée Trouve ta place, nous sommes en présence de notre troisième invitée, notre belle Yaritza. Bonjour. Bonjour Yaritza, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, je vais très bien, merci de demander. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va apprendre à te connaître et connaître le département que tu représentes aujourd'hui. Parfait. Excellent. Merci. Donc, qui est Yaritza? Présente-nous un peu qui tu es et qui est le département réseaux sociaux. Parfait. Bonjour, moi je m'appelle Yaritza. Je suis membre de MCI Canada depuis toujours. J'aime servir Dieu. Et aujourd'hui, je suis ici comme représentante des médias sociaux. Et si j'explique c'est quoi les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont une extension de l'Église. Et tu sais, cette année a été différente des autres, mais la mission reste la même. Et notre mission est de rejoindre le monde, partager le message d'espoir, prier en unité, discuter de différents sujets, comme on fait aujourd'hui, et adorer via des chants de louanges. Puis nous voyons les réseaux sociaux en fait comme un buffet, où est-ce que les personnes y prennent ce dont ils ont besoin. Un buffet vraiment intéressant, c'est très imagé, c'est vraiment bon pour qu'on puisse comprendre exactement ce que vous faites. Donc, ma question que je me pose, pourquoi les réseaux sont si importants que ça? Pourquoi ils existent? Ça, c'est vraiment une bonne question. Mais en fait, les réseaux sociaux nous permettent de communiquer sur différentes plateformes, différents messages. En gros, ils nous permettent de créer un sentiment d'appartenance au quotidien avec les personnes qui désirent apprendre à connaître Jésus. Créer de l'appartenance. Excellent. Donc, c'est vraiment, tu nous donnes vraiment des bonnes informations qui vont être utiles justement pour aller chercher les personnes qui veulent s'impliquer. Ma prochaine question pour toi, Yaritza, c'est que qui peut faire partie du département réseaux sociaux? Ça prend quoi exactement pour une personne pour s'impliquer? En fait, tout le monde peut faire partie de l'équipe des réseaux sociaux. Notre équipe est passionnée par Jésus. Nous avons une équipe qui travaille en coulisses afin de permettre aux personnes d'avoir une connexion avec Dieu qui est tangible et accessible entre Dieu, l'Église et les personnes qui nous suivent. Nous partageons Jésus grâce à une photo, une image, une parole, une vidéo, un témoignage et encore plus que ça, une expérience. Wow, c'est vraiment tout un univers que tu nous fais vivre aujourd'hui. Et ça prend quoi pour s'impliquer? Est-ce que ça prend des diplômes? Est-ce que ça prend d'avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir être au sein de ton équipe? Bien, c'est sûr que nous recherchons des personnes qui sont créatives, des personnes qui sont fiables, qui sont patients, qui ont l'esprit critique, visuel, intelligence émotionnelle, qui ont un esprit d'équipe, qui ont de la bonne humeur et qui sont, ils ont de la flexibilité dans leur disponibilité. Excellent. Donc ça, c'est vraiment toutes des bonnes informations que tu es en train de donner à nos futurs volontaires au sein de ton département. Et peux-tu nous dire, actuellement, as-tu besoin de volontaires? Quels sont tes besoins actuels? Quels sont les besoins du département? J'ai tellement de besoins que je vais lire. Donc, en fait, nous recherchons des personnes qui aiment et qui connaissent les médias. Nous recherchons des graphistes, des analystes web, des créateurs de contenu multimédia numérique, des personnes qui connaissent la langue française pour la correction, des personnes qui maîtrisent les applications suivantes, Photoshop, InDesign, Over, Canva. Nous recherchons aussi des personnes qui s'y connaissent dans les montages vidéo, des personnes qui sont à l'aise devant la caméra et qui aiment parler publiquement, et nous recherchons des personnes qui maîtrisent les stratèges numériques. Et si tu m'as pas suivi, inquiète-toi pas, ils vont tous être dans le chat. Excellent, c'est vraiment important ce que tu viens de donner comme information. Je ne serais pas capable de tout redire comme toi tu l'as dit, mais comme elle a dit, toute l'information va se retrouver dans le chat et n'hésitez pas vraiment à aller vous impliquer, aller directement sur le site de mcigc.ca pour vous impliquer si vous avez tous ces critères-là. Et même si je ne pense pas que ça soit vraiment des critères spécifiques qu'il faut avoir, mais il faut avoir ce cœur-là vraiment pour servir et un certain nombre de critères. Allez-y, impliquez-vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs,
Pour terminer notre belle série d'entrevues, nous avons un invité spécial. Donc, est-ce que vous êtes déjà demandé qui sont les personnes derrière toutes ces belles vidéos que nous avons à chaque dimanche? Mais notre invité ici va pouvoir nous en parler un peu plus en détail. Nous avons avec nous aujourd'hui Victor. Bonjour Victor. Salut. Comment vas-tu? Ça va toi? Excellent, je vais très bien, merci de me demander. Donc Victor, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et nous parler un peu du département en production? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as mentionné, mon nom c'est Victor et je m'occupe présentement de ce qui est la production vidéo. Donc moi, les assemblées que vous voyez dimanche après dimanche, nous on s'occupe des tournages, le montage, pour vous donner cette expérience de l'Église digitale. Donc on s'occupe également des différents événements à fur et à mesure de l'année, comme aujourd'hui, la journée trouve ta place. Donc, on s'occupe des tournages, le montage, comme j'ai mentionné, pour vous donner cette expérience et que vous puissiez recevoir également. Excellent. Donc, c'est vraiment vous qui êtes en arrière-plan de tout ça, de toutes ces belles images que nous avons. Exact. Donc, Victor, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi l'importance de s'impliquer en cette saison dans laquelle nous sommes? Dans cette saison, moi, je trouve que c'est très important de rester connecté à l'Église. Comme le pasteur l'a mentionné, le thème de l'année, c'est « Connexion divine ». Donc, le fait de rester, de s'impliquer, de rester connecté à l'Église, ça va te garder motivé dans cette foi, de grandir, de t'impliquer et de semer également dans ce qui est la plus grande cause, qui est de rejoindre le monde avec le message d'espoir. Donc, si les personnes devraient vraiment chercher à se connecter plus à l'Église, le service, c'est un moyen également. Donc, si je comprends bien, servir, c'est rester connecté, c'est bien ça? Exact. Excellent. Donc, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça prend pour servir au département production? Est-ce que ça prend des choses exceptionnelles que le commun de tout le monde n'aurait pas? C'est sûr que ça prend un certain niveau de connaissance, mais si vous n'avez pas des, on va dire, des études ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai commencé à l'Église, dans le créatif, j'avais commencé avec le graphisme. Puis, quand je venais de commencer, je ne connaissais pas tout ce que je connais présentement. Donc, c'est vraiment en m'impliquant et mettant mon service à l'Église que j'ai développé et j'ai connu tous mes dons et mes talents, que présentement, je continue à apprendre davantage et de mettre ça en application pour le ministère de Dieu. Donc, ça prend de vouloir apprendre tout simplement. Exact. Excellent. Donc, et présentement, c'est quoi vos besoins en termes de volontaires? Si tu devais convaincre quelqu'un de te rejoindre au sein du département qui, j'ai cru l'entendre, est vraiment à effectif réduit présentement, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais, cette personne-là? Donc, comme tu l'as dit, on est une équipe réduite présentement et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe. Donc, l'équipe, c'est ce qui va faire en sorte qu'on arrive loin dans le ministère. Donc, ce qu'on a besoin présentement, c'est des personnes qui ont une certaine habileté avec les caméras, le montage. Comme j'ai mentionné auparavant, si vous n'avez pas les grandes connaissances ou les grandes études, nous, on est là pour vous former également. Si ce qu'on a besoin présentement, c'est vraiment le désir de vouloir s'impliquer. On a besoin aussi les personnes qui sont fidèles. Nous, on fait les tournages, comme j'ai mentionné aussi, on fait les tournages des assemblées en ligne. Donc, nos tournages avec Pasteur Alberto pour les prêches. Et c'est pas mal ça. OK, très bien. C'est vraiment un beau résumé que tu nous fais là. Et donc, on lance l'appel ensemble. Là, on lance vraiment l'appel à tous les volontaires, toutes les personnes qui ont à cœur de pouvoir servir et qui veulent apprendre. Dans le fond, c'est ce qui est vraiment important. C'est ce que j'ai retenu de ce que tu m'as dit, qui veulent apprendre. Toujours la même mot d'ordre, allez sur le site de mcigc.ca pour vous impliquer et venir rejoindre l'équipe, la belle équipe de Victor dans le département production. Merci. Si vous désirez vous impliquer dans un service de l'Église, allez sur l'onglet « Notre Église » du menu principal, puis cliquez sur l'onglet « Trouvez votre place ». Rendu sur la page, défilez vers le bas et cliquez sur le bouton « S'inscrire dans un service ». Vous tomberez alors sur le formulaire d'implication et vous n'aurez qu'à le remplir avec les informations demandées, puis le soumettre. Un membre de l'équipe vous contactera afin de compléter le processus d'implication. Et voilà mesdames et messieurs, toute bonne chose a une fin. Et si on pouvait conclure de tout cela, qu'est-ce qu'on pouvait dire? C'est comme les pasteurs nous l'ont enseigné ces derniers jours, c'est ne t'isole pas.
implique-toi, fais partie de cette équipe de rêve qui va faire en sorte que ta contribution va faire toute la différence. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais ajouter, Rosemée? Moi, ce que je peux ajouter, c'est que si parmi les quatre départements, les quatre entrevues qu'on a eues, si tu n'as pas trouvé quelque chose qui t'attirait comme service, ben, je t'invite à aller sur le site de MCI pour justement aller remplir le formulaire. Il y a une section où tu peux demander une consultation digitale avec un consultant du département placé. Et en moins de 20 minutes, ils vont pouvoir t'aider à trouver ta place de rêve à MCI. Donc, quelqu'un qui, malgré tout ce qu'on a dit, les départements qu'on a présentés et que tu ne te retrouves pas encore, on ne veut pas que tu t'isoles. Remplis le formulaire. On veut rentrer en consultation avec toi, t'écouter, savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Ainsi, on pourra t'aider à faire cette différence-là. Alors, je pense que c'est tout. Oh, le tirage! Alors, mesdames et messieurs, comme promis, nous avons le tirage. Ce sont des questions qui vont vous être posées. Et je pense que, Rosemée, tu as plus d'informations que moi là-dessus. Fait que, roulement de tambour! Good! Allez! Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est, on a deux questions pour vous. Ce que vous devez faire, c'est d'envoyer la réponse, les réponses aux questions au courriel placé à commercial@mcigc.ca. Attends. Est-ce que je peux participer? Non. Come on! OK, vas-y, explique. Donne aux autres, c'est bon. Tu donnes aux autres, tu me donnes rien. OK. En fait, vous avez deux chances de gagner parce qu'on a deux prix. Et je vais juste répéter le courriel. En fait, c'est placé placer à commercial@mcigc.ca. Donc, la première question. Roulement de tambour! Non? Tu veux pas? OK, j'arrive. Je pense qu'il y a eu assez de tambour. OK. Donc, la première question. Quels sont les quatre départements qu'on a présentés aujourd'hui? Première question, quels sont les quatre départements qu'on a présentés aujourd'hui? Donc, c'est juste énumérer les quatre départements. Vous n'avez pas besoin de faire une description. Et la deuxième question, c'est décrivez-nous comment s'impliquer à partir du site. Donc, comment parcourir le site de MCI pour pouvoir s'impliquer? Petite précision, tu as jusqu'à 16 heures pour répondre à ces deux questions-là. Et si tu t'es joint à nous en cours de route, sache que la vidéo va être restée disponible sur la page YouTube de l'Église à MCI Canada. Et surtout, n'oublie pas que ton implication va faire toute la différence. Alors, mesdames et messieurs, nous vous avons présenté la troisième édition de la journée Trouve ta place et la toute première édition complètement digitale. Merci d'avoir été là avec nous. Bonne fin de semaine!